Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur War Hospital. On continue notre petite aventure, on essaie de garder notre ratio de vivants, qu'on va dire. Bah pardon, excusez-moi, je me suis couru de fenêtre. Je vais sur le... Je fiche la fenêtre de retour Twitch et je me dis tiens, c'est bizarre, ça fait rien quand j'appuie sur les touches. Bravo. Du coup, on était plutôt pas mal, on avait réussi à passer la première bataille avec un ratio de 18 sur 4. Donc... on soigne 9 sur 2, c'est pas mal, 9,5. Tac tac tac. Ici on avait encore pas mal de monde. On était en train d'attendre notre docteur en traumatologie qui devrait arriver d'ici une petite heure et demie normalement. Toi il faudrait que tu ailles dormir après celui-là dans l'idéal. Et on essayait de choper des lettres pour améliorer notre hôpital et surtout de quoi recruter un peu de personnel, ce serait bien. C'est parti, on relance. On est en pleine nuit. On a réussi à ramener tous les blessés qui étaient là. Il y a eu un décès dans les tranchées, c'est pas si mal. Alors du coup j'ai envoyé les mecs se reposer parce qu'ils étaient complètement sur les rotules par contre. Proche de l'effondrement, donc ils vont se reposer. Il reste un mec qui est enterré ici et eux pourront aller se reposer aussi. Le PES ne fonctionne pas correctement car aucune infirmière n'y est affectée. Et ben, on est bien triste, mais. Alors, un patient particulier a été emmené au poste d'évacuation sanitaire. Il requiert votre attention. Je vous conseille de bien examiner son cas. Ok, le lieutenant-colonel nous demande un service, visiblement. Alors. Donc on a un VIP. Major Wells, je vous informe que le soldat Ralphie Morgan doit être promu au rang de caporal étant donné son zèle exceptionnel et son courage inébranlable dans l'exercice de la défense des tranchées. On m'a dit que le soldat Morgan a tenu sa position seul, malgré la présence accablante des ennemis pendant plus d'une demi-heure avant que les renforts n'arrivent. En raison de ses exploits, je recommande qu'on accorde une priorité absolue à son cas et qu'on s'assure de son retour rapide sur le front. Alors, c'est une opération épuisante avec des complications certaines. Fils de soldat, il s'engage dans l'armée pour se rapprocher de son père. Au début de la guerre, ils combattent ensemble dans la même unité. En janvier 1915, son père est tué sous ses yeux par l'artillerie allemande. Il ramène le corps sans vie de son père dans les tranchées dans l'espoir que les médecins soient en mesure de le sauver. Depuis lors, il porte deux plaques d'identité, la sienne et celle de son père. D'accord, donc il faudrait qu'on l'envoie direct se faire soigner. Alors, lui il est critique. Donc on va le mettre là. Je regarde un peu quels effets on a, mais du coup, ouais, bah écoutez, désolé les gars, il va falloir qu'on... Là, on est d'accord qu'il est épuisé après, hein. Ouais, extrêmement épuisé. Donc, on finit ces opérations, on s'occupe du Major, hein. On va claquer 21 ressources médicales. Ça va être Tandax. Alors est-ce que là ils ont enterré leur patient là? Je pense que oui. On va les envoyer faire dormir un peu. En espérant que... Ils sont pas encore enterrés leur patient, ils sont là mais... Ils vont terminer leur tâche avant d'aller dormir, on va espérer en sauver quelques-uns. Eux ils sont à une minute de terminer mais non ils ont été se reposer quoi. Bravo! Bravo l'état d'esprit! Allez, le train arrive. On va pouvoir gérer notre patient. Normalement, voilà, c'est bon. Il est plus là, il est passé ici. Et bah écoute, t'arrives toi, tu vas au taf. Alors ça coûtera combien de le soigner? 0. Oh bah c'est cool. Ah non,
Ça nous a coûté quasiment tout ce qui nous restait, pardon. Ok. Il va falloir qu'on en commande un peu. Ici, on en est où? Ouais, du coup, ils sont interrompus, eux. On va se générer un petit peu de lettres pour le QG. Bon, au moins, on va pouvoir gérer celui-là en espérant qu'on n'ait pas 36 000. Tain, si les autres, ils avaient terminé leur boulot, là, on aurait pu se débrouiller. Pourquoi vous êtes tous les deux sur le même car, vous? Ça n'a pas de sens. Debout. Bah, quoique non, parce que de toute façon, c'était ça qu'il faut construire et on n'y est pas encore. Hein. Termine-nous ça, toi. Tu iras te reposer plus tard. Ok, on a réussi à en soigner un. C'est qui le suivant? C'est le VIP. Parfait. Il est reposé juste avant d'attaquer l'opération du VIP, c'est plutôt cool. Les infirmières, ça donne quoi? Elle est encore en forme. Nickel. Personne n'est disponible pour enterrer les morts, mais on n'a pas de morts pour le moment. Alors, l'une des unités actives est épuisée d'avoir travaillé trop longtemps. Pas de problème. Qui est épuisé? C'est le brancardier, j'ai l'impression. Non, même pas. Non, il n'y a personne. Parce que j'ai revu la petite pop-up là, mais non, du coup, pas de soucis. Ici, ça râle parce qu'il n'y a personne, mais de toute façon, on n'a personne à y mettre, donc c'est normal. Il y avait le brancardier qui était fatigué, mais il s'est retapé, donc pas de souci. On va les remettre en équipe de jour, eux. Ils n'ont pas de préférence, de toute façon. Et re le contamine et re Karz. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. On continue notre petite aventure. Bon, y a personne au cimetière, mais pour l'instant on n'a pas de mort. Donc on les laisse se reposer, on les renverra au cimetière plus tard. Alors par contre, maintenant, on peut commencer à travailler sur ces trucs là. On va en mettre un à bosser pour faire un petit peu de réserve sur un quart de 12 heures. Et on va devoir se commander des trucs comme ça. Alors, avec ce qu'on a comme ressources là. Ah, ça coûte 3 pour en commander 6. Non, 5. Waouh, ça pique. Ça va mieux que tes patients. Très bien, mes patients. Franchement, on a raidé Bigadin tout à l'heure. Il avait un ratio de 22 survivants pour 11 morts. Je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Ce qui n'est pas une critique, hein. Le jeu est très dur. Hein. Je précise. Incoming le signe. Pourquoi tu cries comme ça, Karz? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Tout va bien, tout se passe bien. Les gens sont presque tous en vie. Et on a. Alors on a rentré un VIP pendant que vous n'étiez pas là. Qu'on est en train d'opérer. Et bah du coup Bigadin, merci pour le raid. J'avais pas fait gaffe que t'avais pas encore fini ton live le temps que je mange. J'espère que ça s'est bien passé, que ton hôpital n'a pas décédé. On parlait de toi justement. J'ai réussi à tenir un ratio un chouïa meilleur que le tien pour le moment, mais c'est pas une critique parce que le jeu est bien dur. Hein. Et bienvenue sur Live Acta, Rebigadin. Ah, c'est quoi ce jeu? Un jeu qui vient de sortir, très peu connu. Et salut Turtle, bienvenue sur le live, hein, bienvenue sur la chaîne. J'espère que ça s'est bien passé du coup, la suite des opérations. De VIP, on commence à le soigner. Ah oui, mais c'était vraiment l'opération épuisante, quoi. Karz, salaud. C'est pas vrai, j'ai pas du tout dit ça. Scandale. On me prête des propos que je n'ai pas tenus.
Ouais, je sais pas comment t'avais fait, Bigadin, j'avais l'impression que t'étais hyper en déj de nourriture. Alors que moi, c'est vraiment pas un problème pour le moment. Contrairement à d'autres ressources comme les ressources médicales, typiquement. Ah, on a un truc sur le VIP là. La balle logée dans le corps du patient est en partie fragmentée. Si nous ne prenons pas garde, elle pourrait se briser et causer plus de dégâts. Alors, on peut utiliser les rayons X, c'est parfait. On diminue les chances que ça échoue. Sinon, on y va à la main et on gagne 6 heures. Bah non, on va gagner 3 heures et... Ah ouais, t'as une inondation des stocks et en plus le QG t'en a demandé. Ah ouais, j'ai pas eu ça pour le coup, effectivement. Ah ouais, ça pique ça, j'avoue. L'inondation des stocks. Ah les salauds. Ah ouais, donc il y a vraiment des événements pourris qui peuvent tomber, j'en ai pas trop eu pour le moment. Par contre j'ai un bug moi avec le poste d'évacuation sanitaire. Vu que j'ai squeeze le tuto, il a toujours cette petite ce point d'exclamation qui reste dessus à vie. Même après avoir rechargé la partie. Il en est où lui? Il travaille. Bon, on va espérer qu'avec nos rayons X on va pouvoir sauver le patient. Le VIP. Alors, c'est l'heure de changer l'écart, c'est parti. On va pouvoir recommencer à rééduquer un peu. Je faisais du marché noir pour acheter une nouvelle Ferrari. Une Ferrari comme ça, là, avec des roues de vélo. Ah là, ça c'est un bruit de moteur de Ferrari, ça. Un peu près, et encore un peu, il fait des roues arrière là, Bigadin, attention. La version wesh de la Ferrari, c'est ça. ici, est-ce qu'ils sont un peu reposés? Hop là, on les envoie au cimetière, on va les mettre en quart de 12 heures. Ça suffira bien pour le moment. Une Ferrari construite par Ferrero qui roule au Nutella. Alors on n'a pas vraiment de Nutella là dans le coin là. Ah merde, un événement pourri encore. Le patient s'ouvre d'une forme sévère de pied détranché. Ah. Sans traitement, ses pieds risquent de subir des dégâts permanents. Alors on peut pas amputer. Procéder. Waouh. On a un sacré gain en fatigue là. Ou alors on l'ignore. Ce qui fait qu'on a plus de chances que ça échoue. Et on perd du moral. Non, on va traiter de toute façon. Il se repose après lui là. Ah non, il se repose pas tout de suite. Bah on va le faire se reposer. Alors. On a des nouveaux patients du coup à traiter. Et bah écoutez, vous serez traité quand vous arriverez. Tac tac tac, merci pour le follow 4-4 Kodak, bienvenue sur la chaîne. Ils vont se reposer en même temps. Ah mais il y a lui, je pense qu'on va pouvoir peut-être lâcher une infirmière là. Genre la sortir de l'aile préparatoire, l'envoyer là. En tout cas, j'espère que le jeu vous a plu, les viewers de Bigadin. Que du coup, ça vous dérange pas de raider quelqu'un qui en refait. T'as pas le son, mais tu me connais via Mastodon. Ah bah écoute... Je vais écrire du coup. Hop là. Alors, là j'ai entendu un bruit qui... Ce bruit là, j'ai l'impression que ça indique les quêtes. Je me demande l'espèce de boom là. Et en fait, je me demande si depuis le début je rate pas des quêtes. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait de symbole de quête du QG plus que ça.
Est-ce qu'ils vont eux? Ah, il y a un train qui est arrivé avec des problèmes. D'accord. Il y a des... Ah oui, on a des transports de blessés, d'accord. Ah, bah, je me demandais tout à l'heure. C'était quoi ce petit symbole là dans personnel? Donc ce sont des blessés visiblement. Ok, notre train nous apporte des blessés aussi. Et ben merci du cadeau! J'apprécie. Alors on a récupéré quelques lettres de change. Ah. Alors déjà calme-toi, je vais commander quelques médocs. Est-ce qu'on peut pas commander un peu plus de trucs, genre ça aussi, comme ça on en a vraiment 5. C'est parti, on fait un train de chargement. Alors dis-nous, le message. Le message? Pas de message, ok. Valentine de la Pouergou. Waouh, ça c'est du nom. Bigana nous a dit restez pour voir si j'ai sauvé plus de soldats que le Singh, je veux pouvoir le troller. Et bah écoute, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que j'ai plutôt un bon ratio par rapport à Bigana. Tant qu'à troller des gens. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit lui? À l'intention du Major, je vous écris pour vous demander personnellement de prêter une attention toute particulière au lieutenant de la Pouergou. Je vous serai gré de bien vouloir l'opérer et l'envoyer aux rééducations aussi vite que possible. Ce n'est un secret de pour personne, je sais faire preuve de gentillesse avec ceux qui en ont à mon égard, et je sais aussi me montrer odieux avec ceux qui le sont envers moi. Ah bah d'accord, c'est cash quoi. Voyez-vous, compte tenu de l'importance de mon réseau, j'ai quelques pouvoirs sur le moment où l'hôpital pourrait obtenir de nouvelles ressources ou recrues. Bah mec, tu peux aussi te dire que tu vas sauver les gens, non? Bon, ça a l'air d'être son fils, hein, donc j'imagine que c'est pour ça. C'est ça, fils du général. Il voulait être artiste peintre, mais son père a insisté pour qu'il s'engage dans l'armée. Grâce au réseau de son paternel, il est nommé lieutenant à l'âge de 18 ans, mais au lieu de choisir un poste tranquille aux Royaumes-Unis, il préfère partir pour la France. Selon ses subordonnés, c'est un supérieur plutôt compétent et sympathique malgré son jeune âge. Très bien. Visiblement, l'opération va être épuisante, mais c'est le seul truc gênant. Alors est-ce qu'on peut se permettre du coup de le mettre là? Ouais, on peut se tenter. Alors après il va être naze par contre, mais bon bah tant pis. Donc déjà il va être épuisé avant de commencer l'opération. Bon, pour l'instant il est stable. On va essayer déjà de finir ses opérations et laisser se reposer un peu. Ok, on en a sauvé un de plus, parfait. Alors du coup c'est lequel qui a été sauvé là? Regardons. On sait pas encore... Ah non, c'était le... Ok, c'était celui qui était... c'était celui-là, là. Bon. Et en plus, il nous en amène d'autres, hein. Le train en a amené d'autres, des blessés. Par contre, on peut pas savoir... J'imagine qu'il serait là. Il a l'air d'en avoir un autre, là, on voit des pieds. Et là, opération simple, risque d'échec incertaine. Je pense qu'on a plus de chances de sauver ce VIP que celui-là. Là, hein. Encore qu'on a eu un événement sympa pour lui, donc. Mais c'est une opération qui est hyper longue. Ici, ça donne quoi? Toi tu vas sortir, on va te prendre des lettres de change. Il nous faut des lettres de change. Niveau puissance, déjà on envoie un peu de renfort et on est bleu sur les deux prochains là, donc ça devrait aller. Et si on arrive à sauver la vie à l'autre là, il y aura peut-être moins de faire des trucs. Pourquoi ils font tout le tour là? Pourquoi ils passent pas par là? Les gars. Franchement. Bah oui, voilà, passer par là.
Ah, mais ça, c'est un sens interdit dans ce sens-là, je comprends. On est à 7 sur 10 et nos médecins sont fatigués, ça va être tendu. Fatigués, en plus, il faut qu'ils finissent des opérations de fou avant la suite. Non, lui, il va falloir qu'on l'opère là, tant pis. Tant pis, tant pis, c'est dommage, mais. C'est dommage qu'on puisse pas voir les trucs là. Mais bon, tant pis, on va essayer de le sauver. L'opération est épuisante, mais pas. Il y a peu de chances qu'il décède, donc. Ça devrait aller. Pourquoi on a consommé de l'alcool? Qu'est-ce qui se passe? Ah, on doit en consommer pour fabriquer ça, je pense. Il faut que je vérifie. Des médecins sont en attente d'affectation. Alors, est-ce qu'on a des gens là? Non, on a rien à leur donner de toute façon. Donc, pause. La pharmacie. Qu'est-ce que ça dit? Ouais, c'est ça. Des ressources, plus de l'alcool pour faire des trucs comme ça. Ok, donc pour l'instant, c'est franchement pas une priorité. On va les envoyer se reposer. Les trucs médicaux, on va les passer en 24 heures et on va faire des switches. Ouais, il y a des nouveaux patients. 9 sur 10. Ah, là, on en a un. Bleu, ah non, bleu c'est bon, je pensais que c'était pour le truc comme ça, mais non. Ah, les gars, je vous cacherai pas que vous êtes dans la mouise, hein. Opération difficile, risque d'échec élevé. Et toi? On va devoir attendre la fin des opérations là. État bon, état stable, on va le repasser devant lui tant qu'il est stable. Ah, il sera épuisé là. Et toi pareil, t'es déjà rempli niveau épuisement quoi. C'est un peu tendu. Hein. Ici on en est à. Là il va falloir passer en mode 24 heures mademoiselle, je suis désolé. Mais il faut qu'on évacue là. Il faut qu'on évacue quelques personnes. Quand il est pas arrivé mon train encore. Où est mon train? Ah, il arrive là. Dans 5 heures? Non, 1h20. 14h30, ouais, 1h20, on aura un petit boost de ressources dans 1h20. Bon, va falloir qu'on améliore notre poste d'évacuation parce que c'est un peu chaud là. Et si on veut améliorer ça, c'est 4 lettres de 1, ah, c'est pas inaccessible, hein. Franchement. Il faut qu'on le fasse. On va peut-être le faire avec nos prochaines lettres du coup, ça. Parce que là, on voit deux opérations compliquées et c'est la mort quoi. On va passer en vitesse 2. Ah, on a un patient qui sort. Ok, il va se battre. Très bien. Allez, faut me terminer ces opérations, s'il vous plaît. Ok, on a deux lettres de change qui rentrent. Deux de plus et on lance les travaux pour un médecin de plus, là, un chirurgien de plus, là. Combien de temps? Encore 1h21, parfait. On a eu notre arrivée de Médoc. Qu'est-ce que tu fais, toi? Oh la vache, on en a d'autres qui arrivent là, on a plus de place. Drame, on a plus de place. Bon. Toi, on avait dit difficile élevé. On va être obligé de te refuser, je suis désolé. Hop.
pour laisser de la place au nouveau. Ah, enfer. Là ça va être chaud là. Oui, on a réussi à en sauver un, parfait. Allez, on enchaîne. Non, il nous faudrait... Il va falloir passer en... Ah merde, ils sont extrêmement épuisés. Bon, toi, remplace-le. On va, hop, passer en quart de 24 heures, mais il faut bosser là. Il faut... Parce que là, le temps qu'ils amènent lui, qu'ils l'emmènent là-bas, qu'ils ramènent un autre mec et tout, non, faut avoiner un peu plus que ça là. Ok, on a nos 5 lettres, c'est parti. On améliore ce truc. Go. Au jeu. En avant les gars. Construisez-moi ça. On va même mettre 3 personnes dessus. Pour faire ça en 9 heures. Ouais bah les médecins en attente d'affectation, faut encore qu'on ait des trucs à leur donner à soigner. Hein. Eux pour le moment, on attend. On a déjà, faut déjà qu'on dépile ça. Ils sont déjà passés en stable là les mecs. Hein. Pourquoi il y en a qu'un qui bosse là? Ça va pas du tout ça. Bon bah voilà Acta, on est à 22 sur 4, je sais pas combien était Bigadin quand quand il a raidé. Allez, est-ce qu'on le sauve le VIP là? Et merde. Zut, du coup il nous faut un brancardier ici. Reviens bosser toi. Ok, on l'a perdu, c'est dommage. Lui il est en grave. Si je mets ça, ouais c'est chaud. Environ 37% de perte. Ah, c'est pas tant. Et salut Motoy, bienvenue sur la chaîne. Tu te dis, sait-on si le jeu peut se gérer jusqu'à l'armistice avec un rapport final? Alors, le jeu pour le moment, c'est des scénarios. Il y a 3 chapitres à faire, 4 si tu prends la Supporter Edition. Qui est un DLC d'ailleurs, hein, que tu peux acheter plus tard. Et du coup, c'est vraiment des chapitres scénarisés. Donc, je pense que oui, il y en a au moins un qui doit aller jusqu'à l'armistice. Mais je peux pas te le dire, je peux pas te l'assurer parce que j'ai pas fait tous les chapitres encore. Ça, c'est le premier et je l'ai pas terminé encore. C'est un peu tôt après la sortie pour que je puisse te donner une réponse définitive, on va dire. Mais vu que le jeu récupère quand même pas mal de stats, je pense qu'au moins à la fin des scénarios, on a pas mal de choses. Ouais. Nos réserves en matériaux, on s'en fout totalement, ça. Le train, il va faire le taf. Ici, vous me l'enterrez et après vous retournez dormir. Parfait. Toi, t'as dormi 2 heures. C'est reparti. Tu te lèves. Retourne. Ouais, je sais, c'est un peu dur, mais il faut ce qu'il faut. Hein. Ah, en fait, il y en avait plein à enterrer. J'ai pas fait gaffe. Et bah, écoutez, c'est pas grave. J'ai entendu Lidse Stirling, quelque chose me dit que ce n'est pas dans le jeu. Ok, c'est bon, vous retournez dormir. Essayez d'éviter d'avoir d'autres morts tout de suite si on peut.
Ok, on a récupéré un peu de matériaux, la pharmacie peut fonctionner. On a un patient qui sort, parfait. Allez les gars. On vous renvoie au QG qui se démerde avec. Faut qu'on arrive à évacuer ça avant le prochain combat là, parce que c'est trop tendu. Hein. C'est beaucoup beaucoup trop tendu. Hein. Stab, stab, bon. Toi si je te mets là... ah, t'es extrêmement épuisé. Ouais non, faut que tu dormes après celui-là. Là. Ok, il nous reste plus que 4 heures pour ça. On verra si on peut le commander gratuitement, le médecin de plus, ce serait cool, même si bizarrement j'y crois pas trop. Bon lui faut le sauver, hein, faut pas déconner. Parce que quelque chose me dit que le paternel va pas être content si on le sauve pas. Ouais bah ça on avait refusé de l'admettre, tant pis c'est comme ça. Bien joué, on a sauvé le fiston. Il nous faut des gens au cimetière. Allez les gars, vous avez dormi une heure ou deux, c'est largement suffisant. Oh putain, il y a une ambulance qui arrive. À l'enfer. Bigadin, il a oublié de couper son live. Ah merde. Bah écoute, Bigadin, si tu nous entends, coupe ton live. Ah ça arrive ça, des fois tu fais ton raid et puis t'oublies de couper le live. Pourquoi j'entends des gens qui crient? Ouais, on a 4 patients en attente de décision, personne ici, c'est que de la chirurgie. Du coup on le voit passer l'aspirateur en tenue de soubrette, c'est pas possible, il ne porte que des pulls de chambre. C'est bien connu. Ah, et ce serait bien un petit mec malade de quelque chose qu'on peut guérir là. Pull de chambre en soubrette. Bah écoute. Non, toi je crois que c'est mort. On va te refuser. Les autres, on leur donne le bénéfice du doute le temps qu'éventuellement les médecins se récupèrent un peu, mais. 9 heures de repos lui, tellement il est HS. Ouh, c'est tendu. Et tu peux pas avoir de nouveaux médecins encore ? J'y travaille, 3 heures, on aura amélioré l'aile là, et on aura peut-être un nouveau médecin. Si c'est gratuit, on aura un nouveau médecin, s'il faut payer, on n'aura pas de nouveau médecin. Mais on aura de la place pour quand on pourra payer. Par contre, j'avoue que j'ai eu qu'un seul événement du QG, donc... Mais vu qu'ils apparaissent un peu partout, j'ai vu chez Bigadin qu'il y en avait un qui était apparu genre là, ça se trouve s'ils apparaissent en dehors de l'écran et que tu les vois pas, tu les rates quoi. Donc ça se trouve j'en ai raté. Allez, on lui accorde 2 heures de repos et on le renvoie au turbin. Ah là, elle commence à être naze elle aussi, ouais. On va se remettre en 12 heures, on va lui accorder 8 heures de pause. Alors, 2 secondes. Là, du coup, ils sont tous au repos. Donc, l'infirmière qui bosse, on l'envoie là. Et on va les laisser se reposer, bah du coup, jusqu'à 8 heures, je pense. Et l'infirmière va essayer de sauver les patients là, pendant ce temps-là. Puis elle ira dormir après. Ici on va être à 5 sur 10. Et avec un peu de bol, on va même pouvoir avoir un troisième médecin au début de la journée. J'ai l'impression que l'attaque... elle va être pendant la nuit là. Ah merde, attends, qu'est-ce qui leur arrive là?
Aucun travailleur affecté. Ah oui, non, ça c'est pas très grave ça. Il faut travailler là sur ça à fond là. Pourquoi c'est marqué 0%? C'est pas 0%, vous êtes à... Ils sont juste tous partis se reposer, c'est ça. Ouais, ils sont tous partis se reposer, les enfoirés. Bah, je peux leur dire, fuck, vous reposez pas, vous y allez. Il n'y a rien à foutre que vous soyez fatigué, vous me terminez cette foutuelle de chirurgie. Allez hop, au boulot! Le repos, c'est pour les gens qui ont terminé leur travail. Voilà. Si vous voulez vous plaindre, plaignez-vous au QG. On est d'accord, tout le monde est enterré. Toi, tu peux retourner te reposer. Mais ils se reposent quand ils font rien, c'est ça qui est bien. Eux, on va les repasser en 12 heures, on va en envoyer un se reposer, vu que pour l'instant on fait rien. L'ingé, il est sorti, retourné dormir. Ouais, il en a un qui est à peu près en état. On va essayer de terminer. Allez, tu vas pas dormir maintenant, hein, c'est bon. Tu termines ça. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Est-ce que je peux l'embaucher gratos? Ah non! Ah ah, ça pique! Ah! Et bah, on va devoir continuer à faire avec deux. Tant pis. Autant dire que vous êtes dans la merde, les gars. Enfin, dans la merde. On parlait, mais du coup, on va trier. Là, on est sur 2 heures, mais fatigant. Difficile, fatigant, difficile. Ok, toi t'es stable, donc tu passes en priorité, ensuite on va envoyer toi. Et après toi, tu consommes un petit peu moins de trucs. Toi tu seras épuisé là, donc non, c'est pas une bonne idée, à mon avis il va falloir qu'on les fasse se reposer là. Ils vont attendre encore un peu avec le soutien de l'infirmière pour le moment. Ici, ça se rééduque pas parce qu'il n'y a pas d'infirmière, logique, il va falloir qu'on la remette un petit peu au turbin à un moment. Il n'y a plus la pop-up, tiens, ça c'est cool. C'est peut-être débugué. Ouais, la bataille va arriver avant... avant le matin là, donc il va falloir que nos médecins se lèvent. Ok, on attend 5 heures et on les réveille. Allez les gars. Ah putain. Debout. Faut me dépiler un peu de monde là. Toi du coup tu fatigues, mais on est remonté à 50, on va repasser en quart de 12 heures. On va renvoyer toi ici bosser. Ça on n'a pas besoin pour le moment. Est-ce qu'on peut pas faire un petit truc avec nos deux lettres de change là? Ce truc là, les chances de réussite c'est 3 lettres de change, pas de bol. On va attendre de pouvoir le faire. Et du coup, les infirmières... t'es reposé toi, vas-y, va bosser. Et toi du coup, il nous va nous falloir une infirmière de nuit là. Tu vas passer là, relancer les opérations. Cette pop-up là c'est la quête, c'est nos quêtes en cours ça, Chopiti. Et on doit tenir jusqu'au 21 juin, pour le moment en tout cas. Et là ça va bientôt être un assaut, où en sont nos brancardiers
Il y en a un qui dort, deux qui dorment, ok, donc ils vont pouvoir aller bosser au poste de secours. Parfait. Je sais pas ce que ça a fait du coup, il faut qu'on le. Peut-être qu'il faut qu'on le soigne pour que le VIP il ait de nouveau ce qu'il faut là, enfin qu'on ait la récompense éventuelle. En fait du coup la pop-up arrive là dès qu'on a des gens qui bossent, je sais pas exactement ce que ça signifie du coup. Parce que l'état est normal. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'infirmière. Ah ça doit être parce qu'il n'y a pas d'infirmière dedans. C'est quand je mets les infirmières dedans que c'est bon. Ouais bah lui voilà on l'avait refusé hein, c'est la vie. Il va bientôt être l'assaut. Faites-nous rêver les gars. J'ai l'impression qu'il va être à 8h pile l'assaut. C'est marrant, il y a eu 7 morts mais seulement 6. Ah oui parce qu'il y en a un qui est mort là, qu'on n'a pas évacué encore. Alors attendez. Vous qui bossez, allez l'enterrer. Et ensuite quand ça sera l'attaque, on verra comment on gère ça. Ah on a un patient qui a été soigné, ça nous fait 3 lettres. Il fallait pas 3 lettres pour le truc qu'on voulait faire là. Ouais si ça parfait, 10% de chance, go les gars, 4 heures pour bosser là dessus, c'est parti. Ah les enfoirés. Ils attaquent nos tranchées à l'artillerie. An artillery strike so close to the hospital. Those bastards are violating the Geneva Convention. The cannons are not aiming at the hospital, but at our trench lines, Major. They're German howitzers. Ok. On va en envoyer un au poste de secours. Pour le moment. Hence the missiles seem to fall close to us. The recent bombardment got me thinking. We need a specialized unit. Ah, on va débloquer les éclaireurs visiblement. We cannot only rely on the pieces of information from HQ. I received permission from headquarters to commission a scouting unit, but it was conditional. The scouts are to be under your command, not mine. I understand, Lieutenant Colonel. I see you're not happy with that. No. But I know better than to argue with HQ. They will send someone to lead the unit as soon as you prepare lodging for them and request their arrival. Very good. Thank you for your work and help, Lieutenant Colonel. Alors, construire une tente d'éclaireur, demander une escouade d'éclaireur. Parfait. Alors, deux secondes. Ici déjà. Le mec qui était là, on l'envoie au poste de secours. On aura besoin des deux pour bosser ici. Merci. Ensuite, on a des blessés en plus qui arrivent là. Fantastique. Si j'enlève leur peau là... Ouais, on va aller jusqu'à épuiser. Mais faut travailler. Alors du coup on va mettre le mec en une heure juste là. Le mec à 2 heures là. Toi tu vas ici. Faudrait quelqu'un avec des risques d'échec pas trop élevés quand il sera fatigué. Ouais c'est pas mal. Deux combats de suite qui arrivent et oui. Oui oui tout à fait. On va mettre celui à 2 heures avant le repos. Voilà, comme ça il y aura une petite opération pour terminer tranquillement. Et toi t'es encore en train de dormir, il est 8h là, faut y aller. Ah non, c'est pas possible. Ok très bien. Bah du coup repose-toi encore un peu malheureusement. Et malgré nos blessés, pour l'instant on est toujours puissant là. Sir, medic
Allez, c'est parti. On a une équipe d'infirmiers qui revient parce qu'il est 8h. On a bien nos infirmières là. Yes, une infirmière par roulement. C'est parfait, les ingénieurs ils bossent là-dessus. Les éclaireurs, alors les éclaireurs du coup. J'imagine qu'il faut payer pour construire ça. Oui, mais seulement du temps. D'accord, donc on va terminer notre petit truc là et on les enverra bosser après sur la tente d'éclaireur. Alors nos priorités c'est un médecin et une infirmière de plus. Pour l'instant c'est clairement les priorités. Et pour ça il nous faut 5, 7, il nous faut 8. Comment dire que c'est pas gagné. Lui, je sais pas si on pourra l'envoyer quelque part. Genre, est-ce que je peux l'envoyer dans les tranchées? Ah oui, non, on est d'accord. Je peux pas le libérer, je peux juste le renvoyer là. Ok, bah, comme ça c'est fait. On va envoyer deux mecs dans les tranchées pour essayer d'être en puissant là. Et toi, tu te pars ici. Ou on va prendre un petit boost de morale dans 8 heures. Allez, c'est parti. On est plus qu'à 70% et ça joue quand même sur la qualité des soins et compagnie. 10% de chance de soigner en plus, ça va faire plaisir. Allez, nos réserves de lettres de change, bah ouais, je sais, hein, mais il se trouve qu'on travaille. Durez-vous. Ok, un de plus, parfait. Un de plus de soigner. Alors, est-ce que c'est un mec qui va dans un des trucs spéciaux? Non, donc pour l'instant, t'attends, désolé. Trois blessés dans les tranchées, donc là ils sont partis les chercher normalement. Hein. Un là. On doit voir nos petits mecs qui courent comme ils peuvent dans les tranchées pour aller chercher les blessés. Ah, on a sorti un patient, parfait. Elle en est où notre infirmière là? Elle tient le coup encore. Elle tient le coup. Alors, il y a eu un bruit, quelque chose qui dit qu'il manque quelque chose. Est-ce que c'est une quête? Non. Donc ça doit être pour ça. Il y a du décès en attente, peut-être là-bas. Non pourtant. Ça va, pas de décès, donc il y a juste une pop-up parce qu'il est pas fonctionnel, mais il n'y a pas de décès tout de suite maintenant à traiter. On est à 7 pour le moment, donc il faut qu'on retienne ce chiffre. Là on envoie un mec au médecin et après on enchaîne. Toi t'as dormi 3 heures de plus. C'était... Elle est si épuisante que ça cette opération? Elle est difficile. Non, le QG il est rapia hein. Franchement un médecin de plus ça ferait pas de mal quoi. C'est pas comme ça qu'on va gagner hein. On va gagner la guerre bien sûr j'entends. Ok, on en a ramené un là qui va tenter de survivre. Normalement on a deux équipes là hein, donc elles doivent être voilà, elles sont toutes les deux parties, donc celle qui repart là va chercher le dernier blessé. On a un patient qui est soigné qui s'en va. Ah, on a terminé le système d'éclairage, parfait. Ça c'est nickel. Ici on en est où? On est en quart de 12 heures, il se repose un peu. On a une lettre de change donc on fera pas de miracle de toute façon. Ah putain, il y a un train qui nous a apporté des patients, sérieux? Ok, c'est pas du tout la merde.
Toujours des traumatos, enfin pas des traumatos justement. L'autre ambulance qui attend là, tranquille. Tout va bien. T'as en plein quand il y a la, il y a l'attaque quoi. Franchement, ils nous auraient amené le train juste après, ça allait quoi. Mais là, on est en déj de. Ah, cool. On est un petit peu en déj de brancardier. Il leur faut 5 mecs. Du coup, si je t'envoie là, on reste en puissant, donc tu vas là. Et toi, c'est pareil, tu vas là. Et toi, t'iras probablement là. Mais de toute façon, l'infirmière va être en souffrance avant. Et si on peut avoir quelques autorisations. Bon, par contre, là, c'est un peu la merde, là, la quantité de patients à récupérer, là. Toi, je suis désolé, mais il va falloir que tu te lèves, hein. Parce que là, c'est un peu chaud. Vous, on est parti, on construit ça. Vous êtes reposé un peu au boulot. Construisez-moi ce truc en 9h. Il y a largement de quoi bosser. Il est en train d'attendre que le civil traverse, mais il l'écrase quand même. Très bien. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Ah, on a un mec en phase terminale qui a été ramené. Bah écoute, désolé, mais on va te mettre là. Ça, ça doit être un de ceux qui vient de là. Et pourquoi c'est rouge là? Ah merde, il y a lui qui est extrêmement épuisé, ouais. Du coup, normalement, on devrait être bon pour lui, là. On va les envoyer se reposer. Là, normalement, on devrait avoir récupéré les patients et il reste... Oh merde, il en reste un dans les tranchées. Ouais, mais il est en train d'être récupéré, normalement. Si je me gourre pas... Ouais, il est là, voilà. Eux, ils sont en train d'aller le récupérer, donc ils le récupèrent. Et après, on n'en parle plus. Enfin, on n'en parle plus, si, mais ils vont pouvoir faire des allers-retours, là. C'est tendu. Au boulot. Ah. Merci de m'avoir sauvé la vie. J'espère que mon père vous récompensera pour vos efforts. J'espère bien. Compris, rien ne change. Ah. Putain. Ah si, j'ai affecté des ressources supplémentaires à votre équipement. À votre établissement. C'est nul! Qu'est-ce que tu veux que je le foute de ça, sérieux? Alors, est-ce qu'au moins il a compté dans les gens à renvoyer? Ouais. Ouais. Bah du coup on va embaucher du personnel. Avec ça, on peut se permettre d'embaucher une infirmière de plus. Ça va soulager un peu les troupes. Très clairement. Alors oui, je sais, il y a pas assez de monde là au poste de secours, mais ils font ce qu'ils peuvent, les gars. Ah, parce que pendant ce temps-là, on perd du moral, hein. Donc là, ces trois là, on les envoie ici et on aura réussi la quête du QG. Alors ça m'étonnerait qu'ils m'envoient 5 trucs, mais on verra avec un peu de bol. Et bon, on a personne à mettre au cimetière, hein, donc pour l'instant les morts, ils restent là où ils sont. 9 décès. Je sais que c'est pas cool, mais... Vous êtes un peu reposé, vous. Allez-y, c'est parti. Vous bossez quelques heures pour vous occuper des morts. Ah merde. On a perdu un patient pendant l'opération.
Et on a l'ambulance qui arrive. Fantastique. Fantastique. Bah là on le sait, hein, nos médecins ils commencent à être fatigués, hein, donc c'est pas facile quoi. Il faut encore deux opérations et après faut qu'ils se reposent. Bon, eux ils sont graves. Je sais pas si on va pouvoir les soigner à temps. Là, elle va commencer à être fatiguée, elle. Non, ça va, elle tient le coup. Il arrive quand notre train de personnel? C'est le prochain. Donc dans 2h30. Très bien. Il s'en sort, ça y est, il ramène le dernier blessé ici. Ils vont donc pouvoir commencer à les amener au PES. Parce que justement, on n'en avait pas suffisamment. On va être plein, merde. On va être plein. On va être plein. Comment on va faire? On a 6 à décider. Ok. Patient 10 sur 10, bah ouais je sais, ça coûterait combien de l'améliorer ce truc là? C'est quoi, c'est ça? Poste d'évacuation sanitaire. 500 matériaux pour pouvoir traiter 10 personnes de plus. Et bah on va aller chercher les 500 matériaux. Le train il amène des choses ou pas? Non il amène rien lui. Prochain train de matériaux, c'est à 20h. Ok, ça nous laisse au moins le temps de terminer les éclaireurs. Hein. Alors comment ça, comment ils vont faire? Est-ce qu'ils vont les entasser dehors? Comment ça se passe? Ah, on arrive à en sortir un, parfait. Nos médecins qui sont les mains dans les triples. Hein. Avec un peu de bol, ça va être un patient... Ah là, on en a un là qu'on peut envoyer. Hop, c'est parti. Ça coûte 4 pour les 6 qu'on a. Mais au moins ça va faire un peu de place. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me sors le menu? Je t'ai rien demandé. Et là du coup il doit être. Ouais ils sont sur les rotules, mais courage, courage. Alors l'avantage c'est qu'envoyer autant de monde là-bas ça va nous blinder en lettres de change. Du coup d'ailleurs on va peut-être même en profiter pour commander un peu de ressources. Quelques médocs, un peu d'alcool. Plus de médocs. Un peu de comme ça même si on en fabrique pas mal. Les rations on est vraiment bien, ça fait plaisir. Allez c'est parti, on fait un train de commande là pour soulager un peu les stocks. Ok, on en soigne un, bien joué. Maintenant faut réussir à me soigner lui. Risque d'échec élevé, toi tu vas là, désolé. Tac tac tac. Risque d'échec élevé, non lui c'est celui qu'on a déjà refusé. Les autres on les garde pour le moment. Alors il nous reste un dernier soldat à envoyer. Pour dans 4h51 et on a une infirmière qui va arriver pour relayer celle-là. Dans 30 minutes, courage. Bah oui, le docteur Jacob Mitchell, pour l'instant, le docteur Jacob Mitchell, c'est clair qu'il a pas eu trop de taf. Hein. On va pas... On va pas cracher dessus. Hein. Allez, infirmière. Hop. Au taf.
Elle n'a pas de préférence non plus. Eh ben écoute, c'est parti. Toi tu vas te mettre là, mais tu travailleras entre 20h et 8h, ça te laisse 2h pour dormir un peu. Et là il faut me les rééduquer, même si c'est assez vide, quoi, techniquement on pourrait se permettre d'attendre un peu. C'est vraiment ça qu'il faut réussir à terminer, cette quête là. On en est au niveau décès, 10 décès, en attente d'enterrement 2, il ramène un autre cadavre. Allez, on va sauver des gens. Là ils sont bien, ils sont prêts à attendre un petit peu. Commence à crier quand même. Hein. Ils doivent commencer à être un peu fatigués, ceux-là, non? Ouais, hein, on est d'accord. Hein. Extrêmement épuisés. Tout va bien, c'est la teuf. Ça va aller. Vous, normalement, là, on est calme pendant quelques heures, donc allez vous reposer un peu. Vous terminez les enterrements et vous retournerez faire autre chose. 3 à enterrer. C'est chaud, hein. Il en reste d'autres beaucoup là, c'est le dernier non celui-là? Ouais c'est le dernier. Donc après vous allez pouvoir aller dormir. Vous là aussi, vous reposez un peu. Alors, les nouveaux patients. Ah, il y en a un ici. Vas-y, travaille un peu, toi. On en a plus assez, mais on va en avoir un petit peu en rab dans 20 minutes. Ça devrait suffire. Et là... vous faites quoi, vous? Non, vous allez pas vous reposer, là. Il n'y a pas moyen. Hein. Déjà, vous finissez ça, là. Demi-tour. Vous me finissez les enterrements. Ah, bah non, du coup vous allez là plutôt. C'est parti. On a besoin de vous. Là, il y a une opération successful à prendre et un patient à enchaîner probablement. Ouais, avant qu'il se relève. Ouh, il est critique lui en plus. Et là du coup on a une infirmière, ça y est. Qui peut commencer à travailler un petit peu là, pas beaucoup mais un petit peu. Vous êtes assez reposé pour vous occuper de ça. Non, vous normalement vous devez avoir terminé. Je vais vérifier, mais ouais c'est bon, ils ont fini eux, donc allez dormir. Et vous, non vous êtes retapé, vous tapez les enterrements du coup. Allez vous occuper des enterrements, vous dormirez après. Alors l'infirmière va essayer de temporiser un peu là-dessus là. Et du coup est-ce qu'on peut l'améliorer lui? Pour 4 lettres de change, ok. Donc normalement le prochain qu'on sort là, il y a moyen que ça soit suffisant. C'est 2, parfait. On claquera nos dernières lettres de change pour améliorer le poste d'évacuation. Si possible on claque nos recrutements pour... les trucs de recrutement qu'on aura là pour un médecin, si c'est pas possible, bah on avisera ce qu'on peut faire avec.
Sir, operation was successful. Oui. Très bien, très bien. Successful. Vous avez terminé Non, vous êtes en train de faire des enterrements, ouais. Tu peux pas rester plus, bon courage. Biga a terminé avec 54 saufs et 31 morts le 15 juin. 54 saufs et 31 morts, ok. Je vais voir ce que je peux faire. Et bah du coup, merci beaucoup d'être passé, Acta, en tout cas, d'être resté après le raid. Bonne fin d'après-midi à toi, à très vite. C'est atteignable, je pense. 54 saufs et 31 morts. On a eu un rush là. On commence doucement à absorber. Doucement. On est remonté un petit peu en. C'était quoi ce boom? Ah, il y a un truc là. L'alcool avait disparu. Bon, ça va, franchement, s'il y a que ça. Je m'en remettrai. Allez les gars, courez. Ils sont fatigués. Ceux dans le cimetière, ils ont fini de bosser ou pas? Yes. Hop. Allez, venez. Vous, on vous envoie vous reposer un peu. Ah, on peut même en mettre 3 maintenant. Ça, c'est bien ça. Toc. Voilà. Parce que là, il y a des opérations en cours, des mecs à sortir de l'ambulance. Il va falloir qu'on remonte un peu le moral, hein, donc on va certainement envoyer quelques personnes là quand ils seront terminés. Tiens, toi, dans une heure, tu sors là, monte-nous un peu le moral, toi aussi, un de moral, ça sera bien. Sir, medics reached the casualty clearing station. C'est plein plein encore là. Alors toi tu dors. On va commencer à te trier des gens. Donc là on a du 2h, 2h, opération fatigante. 3h, 3h, 2h. Ça c'est une petite opération. Donc on va te remettre là-dessus. Une opération fatigante derrière, une autre. Après tu vas être épuisé, on te mettra voilà une petite opération toute tranquille là. Et après tu dormiras. Ouais, extrêmement épuisé, ouais, tant pis, faut qu'on dépile. Toi c'est pareil, tu vas commencer par une opération un peu épuisante, ensuite tu comme ça. Non. Une autre. Et une petite opération facile à la fin. Alors c'est peut-être pas le bon plan, on va peut-être plutôt mettre les faciles d'abord en vrai. Quoique là, il deviendra épuisé pendant cette opération là, visiblement, sinon on aura un épuisé là, donc je pense que c'est peut-être plutôt mieux à gérer comme ça. Enfin, de toute façon, c'est pas avant 5h, donc on va être à 10 sur 10 pendant encore un moment là. Donc, dès qu'ils ont fini ça, on va pouvoir améliorer, d'ailleurs, je pense qu'on va peut-être mettre... Même, je crois de touche. Non, il faut nos 2 lettres de change et 500 de matériaux, donc prochain train, peut-être ça devrait le faire. Ils sont comment? Ils sont en quart de 12h, très bien, donc ils bossent tranquillement. On est à 52 là, c'est plutôt bien. Deux autorisations de recrutement. Oh, c'est tellement chaud. Tout ça pour ça quoi. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent de la nourriture. Bah oui. 48 de nourriture, ouais, on peut se permettre. Et du coup, on peut mettre un mec à en fabriquer. Je crois qu'il y en a un qui préférerait travailler, ouais, ici. Vas-y. Passe en 12 heures. Tu vas nous faire un petit peu de ration. Ça fera pas de mal de recharger les stocks tranquillement. L'autre, en 1h30, il va terminer ça, là. À
toute façon après il faudra qu'on appelle les éclaireurs. Bon, on est monté à 4, si je ne m'abuse, c'est 5 pour un médecin. Ouais, c'est 5. Mais il y a peut-être moyen qu'on arrive à en avoir un peu, genre quand on aura terminé ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est l'infirmière qui est épuisée. Il te reste 8 heures à bosser. Ouais, c'est un peu chaud. Tu reviendras plus tôt dans 8 heures. Quand on aura terminé... Attends, elle est longue cette opération, c'était 11 heures cette opération, la vache. Ouais, ouais, ouais. Du coup, les brancardiers, il n'y a pas besoin qu'ils soient 30, hein, mais bon, en même temps, ils ont rien de mieux à faire pour le moment. Allez, 11 sur 10. Et... c'est un problème. Faut terminer des opérations. Ah, on a soigné un patient, parfait. On a nos 4 lettres là. Remonte un peu le moral, c'est bon. Une opération successful, lui il va dormir malheureusement, mais il faut bien qu'il dorme un peu. On pourrait pas avoir un soldat qu'on peut recruter là? Ce serait bien. Un petit recrutement comme ça, comme si là. Toi, tu vas nous booster notre moral. Et toi, tu vas au QG. Il est redescendu à 66, c'est trop peu. J'aimerais bien être au-dessus de 70%. Impossible. Ouais, on passe à 65. Le mec qu'on avait refusé. Est-ce qu'on est toujours à... Ouais, non, c'est bon. On est à 10 sur 10, donc ça comptait celui qui était... celui qui était mort. Cela dit, vu qu'il y a un mort, toi tu vas là. Tu vas t'occuper du cimetière. Puis alors c'est pareil là, les ingelés là. C'est bon, t'es retourné bosser toi? Ouais, parce que franchement là, faut pas déconner. Hein. On va terminer ce truc. Il faut me le terminer. Pourquoi boum? Non, il y a rien, c'est bon. J'ai même pas regardé, mais ici c'est bon, hein, y a plus rien. Non, c'est bon, y a plus rien. On a un patient qui est soigné, parfait. Ça remonte un peu le moral. Ok, fin de la construction de la tente d'éclaireur. Alors, comment ça se passe, c'est ce truc-là? Ok. Il y a plein de trucs à faire, mais avant ça, il nous faut déjà des éclaireurs. Embaucher du personnel. Ça coûte 0 pour le moment. C'est parti. Et je peux vraiment pas recruter un chirurgien. Non, c'est 5. Là ça. Non, je peux pas tricher. Non, je peux pas tricher. est-ce que ça vaut le coup de prendre une infirmière en plus? Je pense pas. On va se débrouiller. Il faut absolument qu'on. Non, faut qu'on économise pour ça. Peut-être qu'on aurait pu en avoir si on avait sauvé l'autre VIP, mais ça s'est mal branlé malheureusement. Non, c'est pas ça. Je vais rentrer dedans moi. Toi tu te reposes encore pendant 5 heures, toi tu te reposes pendant 15 minutes et tu reviens, parfait. Ah mais on a terminé, on a assez là, on a ce qu'il faut pour ça.
Allez, go. On est remonté en ressources. En nourriture. Go. Améliorez-moi ce poste d'évacuation au moins pour qu'on puisse stocker des soldats. On va dire qu'on n'est pas, près de d'y mettre des infirmiers en plus, mais. Toi, tu peux aller te reposer. Bon, quoique, tu te reposes tout seul quand t'es là. Donc pour le moment. Reste là. Allez, on a un médic qui devrait pas tarder à se lever, ça y est. C'est parti. Le médecin se remet au boulot. Tiens, bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode de VOD sur ce retour de notre médecin bien reposé, qui se remet à bosser. On arrête l'épisode de VOD là, si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat. N'hésitez pas, on reste en live, bien évidemment. On continue après. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.